Et voilà, ça va être parti pour le 800 mètres féminin, la dernière série, la plus attendue, puisqu'elle va mettre en prise les meilleurs concurrents. On suivra notamment Joanne Dio, qui a pris l'an dernier une très belle seconde place. Il a fait déjà un bon chrono à Saint-Brieuc il y a de cela 10 jours. Joanne Dio qui avait été sélectionnée en équipe de France l'an dernier après son titre de championne de France, tout simplement du 800 mètres cadette. Là, elle est passée junior. On va voir ce que ça va donner sur cette course. Sandy Baumgarten du Carquefou AC, expérimenté sur le 400 mètres haies, qui va prendre les devants pour emmener ses filles dans les alentours de 64 secondes. Allez, c'est parti pour ce 800 mètres féminin avec Sandy Baumgarten qui va prendre les devants. Joanne Dio de Erdratley qui prend direct la première position du peloton. C'est parti vite du côté de Sandy et de Joanne. Joanne, voilà, Sandy qui s'est retourné et qui est obligé de courir plus vite parce que Joanne demande un bon train. Derrière, il n'y a pas grand chose. Il semble qu'il va y avoir trois courses dans cette course. Voilà, trois courses en une. Joanne Guyot toute seule en tête et puis derrière, ça va batailler pour les places d'honneur. On suivra également à la fin les deux pensionnaires de l'Athletic Reds Sud-Lac. Allez, Sandy qui est parti vite. Hein. Là, Sandy Baumgarten du Carquefou AC. 46 secondes. C'est vraiment Joanne qui va taper un chrono aujourd'hui. Elle est toute seule malheureusement. Alors, Sandy va essayer de l'emmener jusqu'à la fin. Derrière, c'est le dossard 109, Manon Wallach de Le Havre-Montville, qui a fait 2-19 cette saison. Voilà, Joanne Guyot qui prend maintenant, qui va devoir faire un tour tout seul. Elle en est capable, mais bon. Et c'est derrière donc Manon Wallach de Le Havre-Montville, qui a fait 2-19 cette année. Et Joanne qui a déjà fait un très bon chrono, puisqu'elle a déjà fait 2-12-13. On rappelle le record du meeting 2-0-3-26. Il sera dur à battre cette année. Et tout de même, il y a peut-être un chrono à aller chercher. On est en 1-30, il reste 250 mètres aux concurrentes, dont Joanne Guyot. Joanne Guyot en tête. Et maintenant, j'ai l'impression que Manon Wallach sort en difficulté, puisqu'elle s'est fait maintenant doubler à 200 mètres de l'arrivée. Ah, il faut encourager les concurrentes. Ah, c'est une course vraiment très, très. Joanne qui est en train de piocher là dans le dernier virage, et malheureusement, c'est en train de fondre sur elle. Le pensionnaire au maillot noir là qui va la doubler. Et voilà, elle est en train de se faire maintenant déposer. Ah, malheureusement, Joanne Guyot ne s'imposera pas aujourd'hui. Et c'est Dominique Guégan de l'EA Saisonnès qui va s'imposer devant Joanne. Joanne qui est partie peut-être un peu vite. Et le chrono malheureusement ne sera pas au rendez-vous de 15-33 pour la vainqueur. Dominique Guégan de l'EA Saisonnès. Dommage, hein, Joanne a été partie vite. Elle n'a pas réussi à tenir le rythme. Mathilde, le meneur en Angers sera troisième.